Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo sur Assassin's Creed Unity et pour vous faire découvrir les quelques petites missions annexes. Donc aujourd'hui, plus précisément, résoudre ou résolver un meurtre. Allez, c'est parti. Excellent. Donc voilà, donc on est arrivé sur la scène de crime. Donc vous pouvez voir que la scène de crime, en fait, c'est une petite loupe comme ça. Non, je veux rentrer dans la maison. Rentrer dans la maison. Hop, je vais rentrer. Oh. Bon, ok, il veut pas rentrer comme ça, on va rentrer par la porte. Ce qui sera plus facile, hein, plutôt que de rentrer par la fenêtre. En plus, surtout que c'est derrière, oui. C'est vrai que c'est un parc, j'avais zappé. Donc là, c'est un meurtre donc, en public. Alors, on va le faire, accepter et suivre. Donc, c'est une femme extrêmement bien habillée à la mode, blablabla. Aucune trace de violence physique. Alors. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est déjà examiner le corps, examiner tout ce qu'il y a autour, interroger des personnes. Donc, on va le faire au fur et à mesure. Voilà, donc, on a examiné le corps. Maintenant, on va se mettre la vision d'aigle pour voir tout ce qu'on peut faire, en fait. Et il y a 5 à 10 à relever. Donc là, hop, il y en a un par terre. Donc, c'est une tasse renversée. Tasse en porcelaine de ces japonais semble avoir contenu du chocolat chaud. Donc, peut-être qu'elle a été empoisonnée. Ce qui serait logique, vu qu'il n'y a aucune trace de violence. C'est une tragédie privée. Excusez-moi, madame. Je suis Amélie, mon voisin. C'était ma sœur aînée, Valérie Duclos. Mm-hmm. Nous étions très liés. Je refuse de croire que Georges l'ait empoisonnée. Même après ce qu'elle a dit. Valérie et moi étions très proches. Mais je dois dire qu'elle a été désagréable toute la soirée durant. Elle a trop bu. Mm-hmm. Elle a injurié tout le monde. Elle est allée jusqu'à menacer Georges de le dénoncer au comité de salut public. Ouais, moi j'ai que c'est elle qui l'a tué. Bon, on verra bien, on va falloir qu'on regarde les autres pistes de toute façon. Mince, il y a ça qui est là-bas, en piste. Voilà. La fleur qui a peut-être servi à les empoisonner. Un jardin bien tenu, ah non. Bon, ça, on s'en fout. Ah, dont l'ingestion est fatale. Ok, donc c'est bien ces fleurs-là qui l'ont empoisonné. Qui nous reste un dernier indice à trouver. Ouais, c'est souvent le dernier indice hein, que j'ai l'air moi personnellement à trouver. Je pense qu'il peut être en hauteur. Ah, il reste des lieux indices visités en fait. On peut aller visiter autre chose. Donc attendez. Vous savez quoi, on va bouger. Je suis désolée si j'ai un peu du mal, mais là déjà je trouve pas le dernier indice. Ce qui est assez ennuyant. Et par contre, bon tant pis, de toute façon on s'en fout un peu à la limite. Lui, on peut pas lui parler, hein, non. Ouais, on va essayer d'aller voir. Ouais. Il y a plusieurs lieux à indices à visiter, donc on va essayer d'en visiter d'autres. Parce qu'il était assez difficile, vous avez vu le niveau au début, c'était difficile, donc c'est pour ça. D'accord, mais ils sont où les lieux à indices? D'habitude, je suis censé avoir des indications pour m'aider, quoi. Un minimum. Mais là, je ne vois rien. Ah voilà. Elle était parfois cruelle, Georges, mais c'était ma mère. J'avais promis à ton père de veiller sur ta famille. Et j'ai lamentablement échoué. Ok, donc on peut leur parler. Elle m'a menacé. Elle proférait toutes sortes de menaces sans fondement. Et quand son humeur est devenue insupportable, j'ai préféré m'éclipser sur la terrasse avec mon Armagnac. À mon retour, j'ai croisé Amélie. Elle m'a envoyé au jardin calmer sa sœur avec une tasse de chocolat. Ah bah c'est elle. Voilà, c'est Amélie qui l'a tué. Ma mère est souvent difficile, mais elle a été particulièrement méchante ce soir. Je pense que c'était à cause d'une lettre reçue plus tôt dans la journée. Quoi qu'il en soit, elle s'est montrée de plus en plus exécrable. Puis, elle est partie en tempêtant dans le jardin. J'ai dit à Lucille qu'une tasse de chocolat chaud lui ferait du bien. Mais tante Amélie, craignant que mère ne s'agace en voyant Lucille, la lui a prise. Mère a très mal vécu que l'essentiel de la fortune de père me revienne. Elle a souvent accusé Lucille de ne s'intéresser qu'à mon argent. Tout est derrière nous maintenant. Je vais enfin pouvoir épouser Lucille. Alors. Donc ça c'est la lettre qu'elle aurait reçue, donc mon fiche d'écrit, machin.
En fait, la mère ne voulait pas qu'il épouse la fille, enfin bref. Ne crois pas qu'Amélie viendra à ton secours, malgré que j'en ai dit à Roderick qu'elle t'a eu envers elle. C'est à moi que l'argent reviendra. Donc, c'est une lettre à Pierre par sa mère Valérie. Ok. Donc, d'après moi, c'est aucun des trois là. Ah, attendez. Chocolatière en argent décoré, accompagné avec 4 cases de taffé. Voilà, l'une est remplie de chocolat froid, les autres ont été vus, d'accord. Hop, il y a un petit truc encore. C'est une grande tabatière de style japonaise portant Jivillier Segonzak. D'accord. Donc là, on a tout fait dans cette chambre, on a tout fait. Ah, attendez, il y a un truc là. Alors. Bon, enlevez-moi ce nouveau lieu, merci. La voisin, ok, bon, c'est très intéressant. Essayez de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Oh, il y a plein de livres en fait. Alors, la voisin, une page écornée, elle détaille les emprisonnements de la voisin au siècle précédent. Il semble que Catherine, la voisin de sa fille, Marguerite Mazin, y ait pris part. D'accord, donc il y a quelqu'un qui a vraiment bien étudié les empoisonnements et tout ça. Merde, pardon. Chère Madame Dussois, j'ai été moi-même témoin de la signature par feu votre mari, son testament quelques mois à peine sa mort, il a confié l'administration, c'est bien, à son ami Georges, l'essentiel de l'héritage allant à votre fils Pierre. Nous avons discuté de l'affaire. Sa position m'a paru parfaitement raisonnée, Madame, je vous fais gré de ne pas mettre en cause vos diligences, machin. Ok. Par conséquent, Monsieur Georges Villiers Machac conserve pleine autorité sur l'ensemble de la fortune. Ok. Donc elle était jalouse au fait que ça soit le mec là qui ait toute la fortune. Que pour expliquer que. Mais je crois vraiment que c'est elle qui est morte quoi. Ma mère, par exercice de son activité, a massé le fortune personnelle, Négué à titre de fille aînée. Ouais, bon, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre salle à étudier, non? Bon, on n'avait pas, c'est pas vers là-bas. Oh, on revient. Ah, à moins que ce soit aussi à étudier, ça. Non, ok, on va retourner sur la scène de crime. Pour moi, ce serait la mère qui aurait voulu empoisonner le Georges, mais que malheureusement, c'est la tante qui a eu... la tasse empoisonnée, donc pour moi ça serait la mère qui aurait voulu le tuer, donc déjà... On va essayer de changer d'endroit s'il n'y a pas un autre endroit à aller voir et visiter, parce que... Il me reste un dernier à visiter, donc... Je vois pas trop où est-ce que ça pourrait être, parce que je suis déjà allé tout là-dedans... Peut-être en face, ouais, on va essayer d'entrer en face. Là-haut, on va essayer d'entrer là-haut. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir là-haut? Est-ce qu'il y a quelque chose à visiter? Mince, mais je veux rentrer dedans. Pour moi, c'est la mer qui est là-dessus. C'est pas un lieu à visiter, ça? D'accord. Ah bah, ils sont là-bas, les lieux à visiter. Merci, il me l'indique, ça y est. Merci, la zone de quête, j'avais bien compris, ça c'est cool. Putain, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps à résoudre ce meurtre, hein, parce que je galère un peu, c'est un meurtre très difficile. Franchement, je vois pas trop ce qu'il y a à faire de plus là. C'est tout ça pour une question d'héritage de fortune, donc à mon avis, c'est vraiment un meurtre pour la thune. On a déjà tout fait ici. On a déjà tout relevé Zadis. Pour moi, c'est la dame en bas. Ou alors, c'est celui qui voulait se marier avec sa femme. L'autre là. Qui voulait absolument se marier avec la femme. Elle, c'est qui? Si vous insistez, je suis Amélie, mon voisin. C'est... Ouais, c'est elle qui l'a tuée. Nous étions très liés. Moi, je suis sûre. Je refuse de croire que Georges l'ait empoisonné. Honte à vous! Qui vous a demandé de résoudre cette affaire? Valérie ne méritait pas cet argent. J'ai fait bien plus qu'elle pour l'honneur de la famille. Ce n'était qu'une sale ivrogne tyrannique. Donc du coup, c'était bien, elle.
crois bien que c'était elle, hein. Parce qu'elle l'a voulu tuer parce qu'elle n'avait pas héritier de la fortune. En tout cas, les meurtres sont très bien. Celui-là était un peu compliqué, les autres d'avant étaient beaucoup plus simples, hein. Quand vous interrogez la personne qui était meurtrière, c'était... Ah oui, donc c'était bien ça. Attention à ce que je bois. Ouais, parce que c'est bien elle qui l'avait tué, j'en étais sûre, parce qu'elle était jalouse qu'en gros sa sœur hérite de toute la fortune et pas elle. Voilà. Et donc après avoir résolu un meurtre, vous allez gagner des sous, et vous allez pouvoir gagner une arme, une nouvelle arme. Alors, en fait. Le chocolat chaud. Je crois que je vais aller en boire un. Hmm. Pendant ce temps, choisissez celle qu'il vous faut. Ouais, du coup, je vais arrêter d'une nouvelle arme. Déjà 500 francs, déjà pas mal. Et une nouvelle arme. Un beau panier de voilà. Toi, hein. Épée à garde lourde. Et voilà. Donc du coup, je m'étais pas trompée, je suis contente. Pardon, au palais des Tuileries. Un homme s'est enfermé dans son bureau. D'accord. Si tu aimes le beau cuir, va donc voir à la tannerie de la Bièvre. Bref, et eux, ils me donnent des meurtres, de toute façon. Arrêtez de venir m'ennuyer. Ok, bon, allez, de toute façon, lui, en fait, il sert à rien, et c'est moi qui résous tout. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que, voilà, découvrir un peu les missions annexes d'Assassin's Creed, parce qu'il y en a plein. Il y a tout ce qui est ramassé, vous savez, les cocardes, tout ça, bon, ça, c'est basique. Il y a maintenant résoudre des meurtres. Il y a faire les missions assassins, bon, ça, ça a toujours existé. Et il y a aussi maintenant des énigmes des Nostradamus pour avoir une tenue collector, donc comme dans chaque Assassin's Creed, il y a une tenue collector. Des fois, c'est en ramassant des clés. Sur Black Flag, je sais plus ce que c'était, en ramassant des petits trucs dans le sable. Enfin bref, c'était toujours, c'était beaucoup plus facile, mais là, c'était des énigmes. J'essaierai de vous en filmer une que je vais résoudre. Voilà, j'aurai du mal, je verrai bien comment je vais le faire, mais j'essaierai de vous en filmer une pour vous faire découvrir. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao, ciao. It's your taste, it's my style.